Ok les sportifs, aujourd'hui je vais au championnat de France de 10 km sur route qui ont lieu cette année le dimanche 6 octobre à Canet-en-Roussillon. Et je vous emmène, vous me suivez? Après un trajet plutôt long, un réveil matinal, nous nous rendons sur le site de la course à 7h30 pour un départ prévu à 8h30 avec les catégories junior et master. Après un bon échauffement, il est déjà 8h15, l'heure de nous placer dans nos sas respectifs afin de parcourir 10 km divisés en deux boucles de 5 km, une boucle avec sa première partie dans l'arrière-pays et son retour sur les bords de mer. Une boucle qui est très roulante car il y a un dénivelé proche de zéro. 8h30, le coup de feu du départ retentit, les bousculades sont nombreuses mais j'arrive tout de même à rester debout malgré les nombreuses personnes qui me doublent car j'avais prévu de faire un départ plutôt lent et je passe au premier kilomètre en 3 minutes 15. Je continue sur cette allure jusqu'au 4e kilomètre où je suis pointé en 10e position. Et c'est à ce moment que je décide d'accélérer progressivement avec un passage au 5e kilomètre en 16 minutes 10, soit une allure au 10 km de 30 minutes 20. À partir de la mi-course, je ne regardais plus ma montre et je me concentrais seulement sur les cadets devant moi. Parmi eux, je dépasse Harry Louradour, un cadet de Limoges, et il s'accroche à moi pendant 2 km. À 7 km, un spectateur me donne mon classement cadet et m'indique que je suis en 3e position, puis j'aperçois au loin, à environ 120 mètres, Hugo Thibault, le deuxième cadet actuel. Je l'avais donc en ligne de mire et c'est au fur et à mesure, foulée après foulée, que j'arrive à revenir sur lui et c'est à 1500 mètres de l'arrivée que je le dépasse. Je décide de ne pas me caler dans son groupe et de continuer mon chemin. J'entame la dernière ligne droite, longue de 1300 mètres, et mes jambes commencent sérieusement à piquer. J'arrive à 200 mètres de l'arrivée, mes jambes capotent et je décide de me retourner afin de voir si Hugo était dans les parages. Mais lorsque je me retourne, je ne vis aucun maillot bleu et blanc, juste deux jaunes. Je me suis dit que c'était des masters, mais je finis tout de même en sprint pour le plaisir. Et je suis seulement après avoir franchi la ligne d'arrivée que l'une des deux personnes que je pensais master était en fait Harry Louradour, le cadet que j'avais doublé au 6e kilomètre, qui m'avait un petit peu lâché, mais qui termine très fort. Bravo à lui. Je termine donc vice-champion de France de 10 km sur route en mettant 31 minutes et 43 secondes, soit 47 secondes de mieux que mon ancien record personnel. C'est heureux que j'ai rentré de ces championnats de France et je vous laisse avec mes images et sur ce, je vous dis à bientôt. Batista, Sofiane, allez Sergi, allez Sylvain.